bonjour à tous amis geeks du 21e siècle, voici avec moi James Bond pour la 7e vidéo de la mission C'est dangereux là-dehors. Voilà, je m'apprête à sur la mission pour suivre le pingouin, donc je vais vous laisser voir. La vidéo va durer presque 18 minutes. Quand j'ai su pour Barbara, non, c'est Refrigeration. Tout à l'heure. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Hein. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Quoi? Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce. Laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. À bientôt, Bruce. Je peux désactiver leurs armes grâce à la fonction sabotage du brouilleur. Je n'ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. Cuno, où est le piège? Il y en a pas un. La caisse est électrifiée. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. Gratuit. Tu ressembles au type qui a tué mon frère. Et toi, à celui qui a refait la tronche de mon pote. Est-ce que j'en fais toute une histoire? Pas faux. L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. C'est quoi ton problème? Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Je me rappelle quand le pingouin nous a recrutés. Il s'est pointé, il nous a offert un gros paquet de fric si on bossait pour lui. Il avait l'air sympa. C'est vrai? Non, il est complètement dingue. Pour vouloir récupérer ce qu'il... Camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Bien, je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Qu'est-ce que t'as oublié ? La subtilité marche à tous les coups. En restant sur les toits, je pourrais les suivre jusqu'au dépôt d'armes caché du pingouin. Le marquage du véhicule reste effectif, et ce, même à travers les bâtiments. Mais il faut que je garde la cible en vue et à portée. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de nous tuer? C'est Batman! Il faut qu'on se tire des ailes! Où est-ce qu'on va? On rentre à la planque! Non mais ça va pas! Ça le mènera tout droit à Cobblepot! Alors je fais quoi? Contente-toi de rouler! On réussira peut-être à le semer! Est-ce que tu le vois? Je conduis, là! Ok, ok, je le vois pas! Tu crois qu'on l'a semé? Mais qu'est-ce que j'en sais? Continue à regarder! Il faut qu'on en soit sûr avant de rentrer! Pourquoi il faut qu'on soit coincé ici avec Batman? Blasphé! Oh, tant mieux. Retourne à la planque avant qu'il nous retrouve. J'y crois pas. On a réussi! Batman, tu parles. Complètement surfait.
Même contre ce tas de ferraille, il n'a rien pu faire. Ici pendant que le boss fait sa réunion. Bah, il veut que l'endroit soit protégé. De qui? De Batman. C'est plus Double Face qui m'inquiète. J'y crois pas à ces conneries d'alliance. Mais je préfère quand même bosser pour Double Face que pour l'épouvantail. Il me fout vraiment les jetons, ce type. Ouais, on m'a dit qu'il avait fait un truc à son visage, un truc bien moche. En ce qui me concerne, j'ai prévu de rester aussi loin de l'épouvantail que possible. Je te suggère d'en faire autant. D'après toi? Qui? L'épouvantail? Mais bordel, tu m'écoutes quand je parle ou pas? Ah ouais, excuse, je réfléchissais. À quoi? Un moyen de me tirer d'ici. Regarde un peu, Gotham, la pire ville de toute l'Amérique. C'est pas si mal. Oh arrête, regarde un peu mieux. Tu vois des trucs à sauver là? Si ça te plaît, moi je brûlerai tout et je reprendrai à zéro. Il paraît qu'il est encore plus rapide qu'avant avec sa nouvelle tenue là. Ça m'étonnerait qu'il court plus vite que les balles, et je vais lui en coller une dans la tête. Ça lui apprendra. Non mais c'est vrai, pour qui il se prend, hein? Superman? Le toit est lourdement protégé. Ça doit être le repère du pingouin. J'arrive pas à croire que je me retrouve encore planté sur un toit. Ça te tue pas. T'as juste l'impression qu'on te frappe avec une grosse masse. Ouais. Yeah. La tourelle est foutue. La tourelle est foutue. Hey, mon vieux, ça va? Ouais, à peu près. On peut battre ce naze. Le toit était lourdement gardé. Il s'agit sûrement du point d'entrée. Et voici comme c'est facile de la faire, cette vidéo. Allez, fais quelque chose. Je descends. Ouais, ça c'est pour moi. On fait quoi pour la directement? Je vais m'apprêter à descendre à nouveau. Par là. Et je vais surprendre le génial. Pingouin. Je sais même pas que tu es là. Vas-y. J'ai quelque chose à lui faire. Voilà. Puis je vais vous laisser regarder la séance de combat. Dis-moi où ils sont. Interrogations. Alors c'est elle la captive. La petite fille chérie du commissaire. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure,
On dit qu'il va quitter Gotham. Ses dirigeables au-dessus de la West River, ils sont à lui. Relâche-le! On va tirer, Batman! Ça... ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tenez-le bien, les gars. J'ai bien bossé mon crochet. Admirez ça. Je vais lui démonter la tête d'un seul... C'est comme ça que tu gères la situation? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. Aucune de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Bruce, tu dois me laisser t'aider. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi à Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche des indices, ici, qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Espèce de minable. Le moment est venu de lui régler son compte. Non, mais franchement, je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne l'air plus menaçant. Qu'est-ce que tu fais, Batou? S'il te plaît, m'enferme pas là-dedans. Je ferai ce que tu voudras. T'as besoin de faire une lessive, je m'en occupe. Si je le fais dans le train, pas de problème. Je voudrais pas être à la place de ce type. Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique? Bien, monsieur. Voici au-dessus, et voici qu'il y a un cul-de-sac, une embuscade. Oncle Joe se charger de ces imbéciles. Ah, la pseudo-vision du jeu Joker. Il rigole en plus, ça le fait rire. Et voici que je vais m'apprêter à prendre le contrôle de ma Batmobile. Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur Batman Arkham Knight. Sûrement, hein. Évidemment, il est professionnel.
Je dois neutraliser tous les hommes et les tourelles de la milice avant de désactiver le contrôle à distance. Personnellement, j'aurais utilisé de vraies balles. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg ? Voyons. PDG de Stagg Enterprise, une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver Barbara. L'analyse des menaces indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise pour cible dès que vous aurez franchi le pont. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Essayez de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Bonne chance, monsieur.